C'est la grande saison des pluies à Douala et les sans-foi ni loi profitent du profond sommeil des populations pour accomplir leurs sales besognes. Mais cela ne sera plus le cas désormais. La gendarmerie nationale est prête. Elle vient d'ailleurs de mettre la main sur 9 présumés voleurs appartenant à un gang de 12. Et parmi les 9, on retrouve 7 hommes et 2 femmes. Ils sont spécialistes des braquages à domicile et agressions dans la ville. Ils utilisent des tenues des forces de l'ordre avec des vraies armes à feu. Selon le commandant de la Légion de gendarmerie, les faits remontent au 8 juillet 2017 dernier. Lorsque un professeur d'université résident à Douala a été victime d'un braquage à son domicile, les malfaiteurs lui ont arraché argent et téléphone. Au reçu de cette information, nous avons pu mettre sur pied une cellule qui est dirigée ici par moi-même. Les recherches ont pu aboutir un mois plus tard à l'arrestation d'un groupe de malfaiteurs et qui sont devant vous là, porteurs d'armes et de quelques téléphones qui ont été pris chez ce monsieur. Nous avons pu également, à la suite de cette arrestation, mettre la main sur un autre groupe qui, celui-là, est spécialisé dans le braquage des motos. Sur eux, nous avons trouvé un PA Beretta avec quelques munitions. 3 de leurs complices sont encore en cavale. Après la mise à jour des procédures, ils seront présentés ce lundi devant le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Douala.